organisaties hebben opgeroepen om in juli van dit jaar naar Palestina te gaan. En om daar de verjaardag van de uitspraak van de internationale gerechtshof voor de muur te komen tonen dat wij de Palestijnse strijd willen ondersteunen. Dat we de isolatie waar de Palestijnen op de Westbank, waar die in leven, om die te helpen doorbreken. Heel veel mensen hebben die oproep geantwoord. Meer dan 500 mensen gaan dus nu, vrijdag, dus overmorgen, zich aanbieden op de luchthaven van Tel Aviv. En ze gaan zeggen dus dat ze naar Palestina willen gaan. Waarom gaan we ons terughalen van Tel Aviv? Omdat er geen andere toegang is, bijna geen andere toegang is tot Palestina. Omdat Palestina geen eigen luchthaven heeft, geen eigen toegang via het water, zoals we met Gaza merken. En op die manier zijn ze verplicht om via die grenspost in Tel Aviv te gaan. De bedoeling van onze missie is ten eerste de verdoken blokkade van de Westbank om die aan te klagen. We kennen allemaal heel goed de blokkade van Gaza, dankzij de acties die overal plaatsvinden. Is dat heel goed bekend dat Gaza is volledig en is afgesloten. De Westbank en Oost-Jeruzalem zijn ook afgesloten. Misschien minder erg dan Gaza, maar het feit dat ook zeer sterk afgesloten. De meeste Palestijnen kunnen hun grondgebied niet uit. Ze zijn eigenlijk ook opgesloten in een klein territorium. Ze kunnen de facto dus hun gebied niet verlaten. Heel veel handel die Palestijnen willen voeren met het buitenland kan bijna niet doorgaan omwille van de onregelmatige controles of de arbitraire controles van de Israëli's. Vandaar is dat het voor hen een evenzeer een zeer moeilijke tijd is om te leven en dat die bezetting die Israël pleegt, dat die eigenlijk ondraagbaar is. Het tweede punt dat we willen duidelijk stellen is dat de arbitraire behandeling van bezoekers die naar Palestina willen gaan. Als men Palestina wil bereiken op dit moment, moet men meestal een leugen uitvinden. Men moet eigenlijk zijn reisdoel eigenlijk verkopen als een toeristische reis en daardoor kan men betrapt worden op leugens en als men betrapt wordt op leugens, kan men regelmatig teruggestuurd worden. Ook moet men regelmatig een papier tekenen dat men niet naar de Palestijnse gebieden zal gaan. Dat vinden we ook dat het absoluut onaanvaardbaar is, dat Israël zomaar kan eisen dat men zich niet naar Palestijnse gebieden kan begeven. La mission a été demandée par une quinzaine d'associations palestiniennes qui souhaitent qu'on vienne tous s'attacher le bras. Donc le but de cette mission, c'est de dire d'abord au monde entier que tout le monde a le droit d'aller en Palestine et on va y aller. Donc on va tous arriver à l'aéroport de Tel Aviv parce qu'il n'y a plus d'aéroport en Palestine, il a été détruit dans les années 2000. Donc il n'y a pas d'autre possibilité d'y aller que de passer par Tel Aviv. Donc on est attendu. Déjà de cet antisémite et tout ce qui va avec. Il est clair que cette mission, c'est une mission pacifiste. Nous, on passe par Tel Aviv, mais le but, c'est d'arriver en Palestine. On ne va absolument pas rester à Tel Aviv, c'est pas notre mission. Donc, actuellement, on est 600 dans le monde à y aller. On est une soixantaine de Belges. Il y a 350 Français. Donc, on part tous le 8 juillet et le but est de vivre la vie des Palestiniens, leur difficulté à se déplacer dans leur propre pays. D'aller voir un médecin, de vivre, je sais pas, d'aller à l'école, d'aller voir un membre de sa famille. Donc toutes les difficultés qu'ils ont à passer du checkpoint, à avoir de l'eau, à se nourrir, vraiment c'est vivre leur vie. Donc on va manger avec eux, dormir avec eux et bouger avec eux. Donc ça sera vraiment la vie du Palestinien pendant tout le séjour. Tout le monde part en bonne et due forme avec ses documents corrects. Donc il ne s'agira pas de dire que quelqu'un est rentré sans document. Tout le monde a un passeport en bonne et due forme. Donc voilà. Régulièrement, pour les gens qui naar Palestine willen gaan, tegengehouden, gecontroleerd, lang ondervraagd, geïntimideerd en regelmatig worden ook mensen teruggestuurd. Dus als men goed dat iemand naar Palestine wil gaan, wordt hij zwaar blootgelegd en wordt hij dus regelmatig inderdaad teruggestuurd. Dus wat eisen wij? Wij eisen het recht op vrije toegang tot Palestina. Het is eigenaardig, de Israëlische burgers hebben het recht om België te bezoeken, worden nooit teruggestuurd. Waarom zou dan Israël het recht hebben om ons Belgische bezoekers naar Palestina terug te sturen? Het is belangrijk om te zeggen, we gaan niet met een humanitaire missie. Het is een duidelijke politieke bedoeling, namelijk aantonen dat Israël gewoon ook de Westbank en de Oost-Jeruzalem in de klem houdt en eigenlijk niet wil dat dat te veel bekend wordt en welke praktijk ze daar toepassen. En dan misschien heel eigenaardig, want de Israëlische pers zijn heel wat verhalen verschillen de laatste dagen dat een bende oproergraaiers, hooligans en fanatici van Hamas proberen Israël binnen te dringen. Wat is ons programma? Heel simpel. We gaan initiatieven bezoeken van 15 organisaties die ons uitgenodigd hebben en meedoen aan hun activiteiten. We gaan meedoen aan culturele uitrustingsprojecten. We gaan olijfbomen planten en we gaan leven met Palestijnse gezinnen in een dorp
kampen en een wijk- en een vluchtelingenkampen. Dat is alles wat we gaan doen. Dat omschrijven als hooliganisme is toch wel zeer ver van de kant van de Israëli's. Als ze ons niet door willen laten, en die kans is zeer reëel, dan gaan we ons niet zomaar laten terugsturen. We zullen met alle middelen van vreedzaam protest ons recht opeisen om Palestina te bezoeken. Dat betekent, we zullen niet vrijwillig het land verlaten. Als ze ons willen uitzetten, zullen we daar wel serieuze middelen voor moeten gebruiken. We gaan niet zeggen, oké, we moeten niet binnen, maar er is gewoon een vliegtuig en zijn weg. Nee, we gaan ons duidelijk op alle mogelijke vreedzame manieren daartegen verzetten. En we zullen onze achterban en de prominenten die erop getekend hebben, mobiliseren om bij de bevoegde instanties aan te dringen als ze tussenkomen om ons toch door te laten. Et je m'étais inscrite auprès de Myriam Delhi pour participer à votre activité, mais j'aurais volontiers fait partie des hooligans qui comptent atterrir à l'aéroport Ben Gurion. Aujourd'hui, la Libre Belgique montre une photo des hooligans qui ont envahi l'ambassade d'Espagne à Athènes. Je remarque quand même qu'ils ont tous plus de 60 ans. En tout cas, troisième âge. Et donc j'aurais volontiers fait partie de ces hooligans qui comptent atterrir à l'aéroport Ben Gurion vendredi. Mais je ne pouvais aller que lundi, donc ça n'avait pas de sens et je ne serais pas des vôtres, il n'y a que de cœur que je serai avec vous. Pour moi, un des intérêts de cette activité que vous allez avoir, cette action, c'est qu'Israël vous est sans arrêt présenté comme la seule démocratie du Moyen-Orient. C'est un des leitmotifs de la propagande israélienne. Mais un des droits essentiels dans une démocratie, c'est bien celui de se déplacer librement à l'intérieur du pays et d'autre part de pouvoir y accéder moyennant un passeport en règle, éventuellement muni d'un visa et de l'argent nécessaire pour y subsister le temps du séjour. Or, il est évident que ces conditions ne sont pas réunies pour accéder par exemple à la Cisjordanie. Et je pense que votre action pourrait être médiatiquement très utile. Il y a déjà quatre colonnes dans la Libre Belgique d'aujourd'hui sur l'action. Donc s'ils ne sont pas là, il y a quand même déjà une répercussion médiatique. Et je pense que ça pourrait être médiatiquement très utile pour attirer l'attention sur cette situation qui est terriblement injuste. Et donc que vous puissiez entrer ou pas, je pense que de toute façon, ce sera quelque chose d'important parce que ça pourra motiver l'opinion publique à s'intéresser à la situation des Palestiniens. Donc, ce n'est que cœur que je serai avec vous, mais j'y serai de tout cœur. Je suis terriblement sensibilisé à la question palestinienne du fait que j'ai participé à deux missions médicales, une en janvier 1989 et la seconde en janvier 1991, c'est-à-dire février 1991, février 1991, 10 jours après la fin de la première guerre du Golfe. Et donc, durant cette deuxième mission, nous étions quatre et un des quatre hooligans qui a participé à cette mission est assis à côté de moi. Ce que nous avons pu constater à deux reprises, c'est qu'il y a un effort concerté, délibéré, soutenu, de brimer le peuple palestinien, de le réduire à une position d'impuissance. Ils sont l'objet d'un phénomène de strangulation politique, sociale, économique et sanitaire qui fait que leur position est totalement intolérable. Il est scandaleux que les instances internationales et que notre gouvernement n'aient jamais protesté vivement contre ce genre de situation. Je suis révolté par l'inertie de nos différents ministres des Affaires étrangères. Je suis révolté, scandalisé par le fait que l'Union européenne se soit prononcée contre les initiatives très louables prises pour forcer ce blocus de Palestine.
je m'insurge contre les mensonges de la propagande israélienne. Je ne vous en citerai que deux exemples avant de terminer. Voici ce que les Israéliens appellent une balle en plastique. Le mensonge n'est pas que c'est une balle en plastique, mais le mensonge veut que ce soit une arme inoffensive pour réprimer des manifestations. Je vous montre ici une photo d'un fémur, l'os de la cuisse, qui est l'os le plus solide, j'ai un médecin à côté de moi, pour le confirmer, l'os le plus solide de notre squelette. Et vous voyez qu'au milieu de la diaphyse, c'est-à-dire de la partie droite du fémur, l'os est pulvérisé par cette petite balle en plastique, parce que ce n'est pas ce que les Palestiniens ne disent pas, c'est qu'elle est envoyée par un fusil à haute vélocité, donc à extrêmement grande vitesse, et que ça pulvérise tout. Et alors ici, c'est ce que les Israéliens appellent une balle en caoutchouc. Après la première mission médicale, j'ai été interviewé au Zevenden-Dach le dimanche suivant, et j'ai voulu démontrer ce qu'était une balle en caoutchouc. Et pour ce faire, je l'ai simplement laissé tomber sur la table. Et il y a eu un silence. Je vais voir s'il y a un silence aussi. Ceci est une balle en caoutchouc, mesdames et messieurs. C'est une bille en acier avec un millimètre de caoutchouc au travers. Au retour. Je pense que la mission était importante. Je crains qu'elle ne soit évidemment arrêtée par les Israéliens, mais l'important, c'est alors les pressions que l'on peut faire sur des médias et des gouvernements ici. D'accord ? Parce que ce que vous avez raconté, etc., sur la situation en Palestine, à mon avis, de plus en plus connue. Beaucoup de gens sont au courant de ça, y compris dans les hommes politiques, y compris dans les journalistes. Et beaucoup de gens sont indignés par cela. Et beaucoup, en privé, vous pouvez parler à toutes sortes de gens dans ce qu'on peut appeler des élites médiatico-politiques, etc. Ils n'aiment pas ça. Et ils n'aiment pas ça aux États-Unis. Mais quand Netanyahu va parler au Congrès américain, il est plus applaudi qu'Obama, alors qu'il traîne dans la boue Obama, il est applaudi aussi par les gens du parti d'Obama, donc les démocrates. Vous avez une omerta sur Israël qui fait que c'est impossible, en tout cas un certain niveau de pouvoir, un certain niveau de responsabilité, si vous êtes dans les universités, dans les médias, etc., de prendre des positions critiques sur Israël. Vous ne rappelez pas seulement la question des deux États, mais aussi la question du droit au retour, qui est encore plus gênante pour les Israéliens. Mais c'est aussi partie du droit international. On ne peut pas parler du droit international sans poser toutes les questions, y compris celles qui sont posées en débat. Moi, je suis convaincu que l'État de politique, s'ils avaient l'impression qu'ils avaient un soutien populaire équivalent en force aux pressions qu'ils reçoivent dès qu'ils disent un mot sur Israël, alors les choses sont très vite. Et tant qu'on ne construit pas une contre-force de pression, une contre-force idéologique qui dira aux hommes politiques, aux intellectuels, etc., allez-y, n'ayez pas peur, nous vous soutiendrons, si on vous accuse d'antisémitisme, on s'en fout. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, ben, à mon avis, on changera rien. Mais si on y arrive à ce niveau-là, les choses changeront vite parce qu'Israël ne vous sert à rien. Israël irrite un nombre incroyable de gens en Occident. En tout cas.